Bonjour, je vous invite à une quatrième capsule qui va finalement vous donner un exemple du type de question qui peut être posée par rapport aux forces intermoléculaires. Donc, c'est sûr que la présentation des forces, ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ensuite? Bien, voici là, justement un exemple. Avant même de commencer l'exemple, on va commencer par un constat. Okay? Première chose, c'est que, comme je vous disais depuis le début, les types de forces intermoléculaires dépendent des types de molécules qui sont mélangées ensemble. Donc, la première chose qu'il faut commencer par se dire, c'est que quand on va faire un mélange entre deux molécules polaires, que ce soit deux jumelles qui sont polaires ou que ce soit deux molécules différentes qui soient polaires, mais chacun de leur côté, bien, les forces générées entre deux molécules polaires vont toujours être premièrement du London. Comme je disais, les London sont présentes tout le temps. Donc, les forces de dispersion de London sont présentes dans les molécules polaires également. Sauf que les molécules polaires vont avoir une addition de forces, où est-ce que les chisomes vont être présentes également. Et lorsqu'il y a du chisome, il y a forcément du Debye qui vient avec, là, quand il y a une polarisation. Donc, on va se dire, quand il y a deux molécules polaires qui sont mélangés ensemble, il y a des forces de London, des forces de chisome et des forces de Debye qui sont générées. Et quand on fait l'addition de ceci, ça fait quand même une assez grande somme de forces, ce qui fait que normalement, les forces intermoléculaires sont plus grandes entre deux molécules polaires. Là, je rappelle, ça peut être deux jumelles, comme ça peut être deux différentes, mais ça reste deux molécules polaires. Donc ça ici, c'est assez fréquent comme mélange. Le deuxième que vous avez là, c'est un mélange qui est moins fréquent. Quand on prend forcément deux molécules différentes, une qui est polaire et une qui est non polaire, bien, qu'est-ce qui est généré dans ce mélange-là? Ça va être toujours du London, comme je vous disais, c'est tout le temps présent. Et il va y avoir du Debye qui va être présent aussi. Le chisome ne le sera pas, puisque la côté non polaire, puisque ce n'est pas un dipôle permanent, ne peut pas générer de chisome. Donc, entre ces deux-là, il va avoir un petit peu moins de force dans la somme totale, ce qui fait que ce mélange-là va avoir moins de force intermoléculaire à la fin. Et quand on a deux molécules non polaires, puis je rappelle toujours que ça peut être deux jumelles, comme deux molécules non polaires différentes, bien, lorsque c'est uniquement du non polaire qui est mélangé, il y a uniquement du London qui est généré, ce qui habituellement fait baisser le nombre d'interactions intermoléculaires totales. Donc, c'est pour ça que les molécules non polaires, la plupart du temps, ça prend beaucoup d'atomes pour réussir à avoir un liquide, alors que les molécules qui sont polarisées, ben, on peut avoir des liquides et des solides avec moins d'atomes, puisque le côté polaire va faire apparaître plus de force. Dans l'intensité relative, on dit toujours que les forces de London, c'est les plus intenses. Okay? Elles sont toujours présentes et c'est celles qui sont les plus importantes. Va s'ajouter à ceci des forces de chisome qui sont légèrement moins importantes. Et les forces de Debye, ce sont les plus faibles de la gang. C'est toujours une question d'addition de forces, comme vous pouvez voir ici. Voici un exemple d'application. Okay, vous allez avoir une question typique comme suit. Où est-ce qu'on va vous dire? On a trois substances séparées. Okay, j'ai un contenant où est-ce que j'ai de l'hydrogène gazeux, un deuxième contenant où est-ce que j'ai du brome moléculaire dedans, et un troisième contenant où est-ce que je vais avoir une molécule qui est formée d'iode et de chlore, donc du ICL, qui serait lié de façon covalente. La question, ça serait d'essayer de prédire dans quel ordre on aurait des points d'ébullition qui sont croissants. On ne pourra jamais deviner ou prédire la valeur du point d'ébullition, mais ce qu'on peut faire, c'est prédire celui qui est le plus grand et celui qui est le plus petit. Okay? Je vous rappelle que plus les forces intermoléculaires sont grandes, plus la température d'ébullition d'une substance va être grande aussi. Donc, plus il y a de force, plus c'est difficile de faire bouillir une substance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les échantillons qu'on a, puis premièrement se rappeler que dans un échantillon de H2, il y a des millions de molécules de H2 qui interagissent ensemble. C'est ça qu'on analyse. Et c'est la même chose pour les deux autres échantillons. Là, c'est indépendant, mais des millions de jumelles qui interagissent ensemble. Et c'est l'analyse de cette interaction-là qu'on fait. On y va dans l'ordre. La première chose que je fais bien souvent,
C'est bien personnel, mais c'est une façon de faire, là. C'est que je vais commencer par essayer de voir est-ce qu'il y a des molécules polaires versus des molécules qui sont non polaires. Donc, on voit que H2 et Br2, c'est deux molécules qui sont non polaires puisque les diatomiques identiques comme ça ne génèrent pas de polarité. Hein? Il n'y a pas de vecteur. Donc, on a deux molécules non polaires. Puis, ICl, il va avoir une légère polarité puisque le chlore est plus électronégatif que l'iode. Donc, déjà, on a deux molécules non polaires et une molécule polaire. Je reviens ici. Je vais commencer par analyser mes molécules non polaires. Je regarde l'hydrogène. L'hydrogène a très, très peu d'électrons. Donc, ce qui va arriver, c'est que, premièrement, il va avoir des forces de London seulement parce qu'ils sont non polaires, okay? Que ce soit dans H2 ou dans Br2. Et ce que je vais regarder ensuite, comme je vous disais, c'est le nombre d'électrons dans chacune. Puisque dans l'hydrogène, il y a très, très peu d'électrons et dans le brome, il y a beaucoup plus d'électrons. La conclusion qu'on peut faire, c'est que les forces de London présentes dans un échantillon de brome sont beaucoup plus grandes que les forces de London dans un échantillon d'hydrogène. Donc à ce moment-là, la conclusion qu'on peut faire, c'est que la température d'ébullition de Br2 devrait être plus grande que la température d'ébullition de l'échantillon de H2. Donc les forces de London étant plus fortes, les molécules de Br2 vont pouvoir se tenir ensemble de façon plus efficace et avoir plus de difficultés à bouillir. Donc, il faut essayer de visualiser aussi que quand on essaie de faire bouillir une substance, c'est qu'on veut vaincre les forces qui vont tenir ces molécules ensemble pour leur permettre de s'échapper et de devenir en gaz. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut regarder. On aurait donc déjà classé là, H2 et Br2. Normalement, Br2 a un point d'ébullition qui est plus élevé. Qu'est-ce qu'il y en est du ICl? Bien, si on compte le nombre d'électrons, donc on va se rendre compte que Br2 et ICl ont le même nombre d'électrons. Vous comprendrez bien que mon exemple est choisi pour ça, non? Donc, puisqu'ils ont le même nombre d'électrons, une conclusion qu'on peut avoir, c'est que la force de London de Br2 devrait être pas mal égale que la force de London dans un échantillon de ICl. Où est-ce qu'il va y avoir une différence entre les deux? C'est que ICl est en polaire. Donc à ce moment-là, on va pouvoir additionner les forces de London et de Keesom et de Debye, ce qui fait que dans un échantillon de ICl, il va avoir plus de force que dans un échantillon de Br2, où est-ce qu'il y a du London seulement. La conclusion de ceci, c'est que ICl devrait avoir plus d'attraction que dans Br2 et que la température d'ébullition dans ICl devrait être plus élevée que celle de Br2. Donc, dans l'ordre, on devrait avoir le plus petit point d'ébullition pour H2, un mitoyen pour Br2 et un plus élevé pour ICl. Puis, quand on va vérifier avec les vraies valeurs, on se rend compte que c'est vrai, qu'il va y avoir une augmentation là, dans le sens qu'on vient de dire. Donc, ça, c'est un exemple d'analyse moléculaire qu'on peut faire. Je termine la capsule en ajoutant, en fait, un détail au niveau des forces intermoléculaires. C'est comme si c'était une quatrième force, mais ce n'est pas vrai. Ce qu'on appelle le pont hydrogène ou la liaison hydrogène, c'est un cas particulier des interactions de Keesom. Ces interactions-là sont très fortes. C'est une question là, de polarité très, très puissante parce que ça va apparaître quand on a des atomes comme l'azote, l'oxygène ou le fluor qui sont présents sur la molécule. Donc, c'est uniquement si un de ces trois atomes-là est présent qu'on peut avoir ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Et faites attention, la liaison hydrogène, ce n'est pas le NH, le OH ou le FH qui est ici. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'interaction intermoléculaire. Donc, par exemple, dans l'eau, vous avez une liaison OH qui est intramoléculaire. Ça, c'est une liaison covalente. Okay? Et ce qui va arriver, c'est que l'oxygène étant très, très électronégatif, il va avoir une polarisation très intense entre O et H ici, ce qui fait que le H qui est là va être polarisé positivement de façon très intense aussi. C'est comme si c'était un delta plus, plus, plus. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va être fortement attiré par l'oxygène d'une autre molécule d'eau. Et le pont hydrogène ou la liaison hydrogène, c'est le pointillé d'interaction qu'il y a entre les deux molécules d'eau qui est là. Les liaisons hydrogène sont très très puissantes, sont nettement plus importantes que les London, Keesom et Debye standard, ce qui fait que lorsqu'elles sont présentes
Quand on dit le OH, NH ou FH sur une molécule, non? Lorsqu'elles sont présentes, il y a la somme des interactions intermoléculaires dans une substance qui a des ponts H va être spectaculairement plus élevée que dans une substance où est-ce qu'il n'y a pas de liaison de type pont hydrogène. Donc, c'est pour ça que la molécule d'eau, avec une très faible masse molaire, très très peu d'électrons, hein, une masse molaire de 18, bien, va avoir un point d'ébullition très très élevé parce que les forces qui sont là sont extrêmement puissantes. Et comme on peut voir, une molécule d'eau peut faire quatre ponts hydrogène avec ses voisines. Donc, si chaque molécule d'eau a quatre ponts H, bien, ça augmente de façon assez importante le nombre de forces à l'intérieur de l'échantillon. Et c'est difficile de faire bouillir de l'eau par rapport à d'autres substances. Nous, on est habitués parce qu'on fait bouillir de l'eau presque tous les jours. Mais c'est difficile de faire bouillir de l'eau par rapport à d'autres substances parce qu'il faut chauffer beaucoup. Alors qu'il y a beaucoup de substances au laboratoire qui vont bouillir en bas de 100 degrés et même loin en bas. Donc, c'est difficile de faire bouillir de l'eau à cause de ceci. Les ponts hydrogène sont présents aussi ailleurs, pas nécessairement dans les liquides en tant que tels, mais aussi dans des structures, comme vous avez là ici, comme vous pouvez voir, je parle de l'eau qui bouille à 100 degrés Celsius, non? Mais vous allez avoir ici une structure d'une protéine, vous avez probablement déjà entendu parler, l'hémoglobine, qui est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Bien, les protéines, en fait, c'est une suite d'acides aminés, donc des molécules avec carbone, hydrogène et azote, il y a de l'oxygène aussi, non? Une suite de molécules qui vont prendre une forme tridimensionnelle bien précise dans l'espace. Et la forme tridimensionnelle de la protéine, elle est directement reliée à la fonction de la protéine en tant que telle. Ce que je veux dire, c'est que si l'hémoglobine n'a pas exactement cette structure-là, elle n'est pas capable de transporter l'oxygène dans le sang. Et qu'est-ce qui fait que toutes ces petites chaînes-là, c'est des chaînes d'atomes, des chaînes de molécules qui sont branchées, là. Ce qui tient ces chaînes-là ensemble et collées dans cette structure-là avec les bons angles et les bons retournements ici. On appelle ça des hélices alpha. Mais qu'est-ce qui fait que ceci tient ensemble? Ce sont les liaisons hydrogène entre les atomes des différentes chaînes en tant que telles. Donc, entre les H et les O, des chaînes là, qui vont se coller ensemble pour donner cette structure-là. Donc, si l'hémoglobine n'a pas cette forme ceci, comme ceci, à l'aide des ponts hydrogène, bien, la fonction de la molécule, elle est brisée. Donc, ça va être vrai pour toutes les protéines, que ce soit l'hémoglobine. Vous avez ici un autre exemple là, qui s'appelle le cytochrome C, qui est une molécule là, qui est contenue dans vos cellules, qui vous permet d'extraire de l'énergie puis de former ce qu'on appelle de l'ATP pour que vos cellules puissent fonctionner. Bien, si le cytochrome C n'a pas la bonne forme, bien, c'est impossible pour lui de faire sa fonction, de générer de l'énergie dans vos cellules. Donc, tout ceci, ce gros tapon d'atomes-là, tient ensemble à l'aide des ponts hydrogène qui vont tenir les fibrilles de cette molécule-là, les unes à côté des autres. Donc, c'est aussi vrai dans la molécule d'ADN, c'est les liaisons de type pont H, pont hydrogène, qui vont tenir les deux brins d'ADN ensemble là, pour justement que cette double hélice-là soit assez solide pour survivre à l'intérieur de vos cellules également. Donc, c'est d'autres applications des liaisons hydrogène en tant que telles. Donc, ça termine cette capsule et je vais probablement terminer le chapitre dans la prochaine.